go back anymore. When I remember what the Lord has done, I will never go back anymore. When I remember, sur tes pieds ce matin. Tu vas glorifier le roi des rois, le Dieu des dieux, celui qui ne change jamais, celui qui pourvoit nos besoins. C'est lui qui pourvoit nos besoins chaque jour, lui qui nous protège, lui qui nous préserve. Alléluia. Tu vas élever ta voix ce matin, tu vas lui dire merci. Remercie-le pour ses bienfaits. Remercie-le pour la protection et la préservation. Dis-lui merci pour les témoignages de la semaine. Dis-lui merci pour les merveilles choses qu'il va encore faire au milieu de nous ce matin. Alléluia. Élève ta voix pour le célébrer. Alléluia. Élève ta voix pour le célébrer. Thank you, Jesus. Oh. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Oh, we are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Oh, we are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Oh, for protection, thank you, Jesus. Thank you, my Lord. For protection, thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Oh, we are saying thank you, Papa. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Oh, Papa, nous te louons, nous te sommes.
merci. Nous te disons merci, Yahweh. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Yahweh. Nous te disons merci, Yahweh. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Pour la protection, merci Jésus. Merci Seigneur. Pour tes merveilles, merci Seigneur. Oh, for your protection, thank you, Papa. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen. Nous allons encore prier. Il a écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les préserve du danger. On nous l'a dit, ben dans la haut pour n'achlando à Messia, mais que ne vont en ma ouïe au dernier jour la focume. Nous allons prier pour l'Église. Mija dokbirare. Nous allons prier pour tous les élus du Christ. Mija dokbirare élus du Christ vieux kata. Nous allons prier pour tous les chrétiens dans le monde entier. Mija dokbirare. Nous allons remercier le Seigneur pour ses bienfaits d'amour. Pour sa protection, sa préservation. Sa mère qui nous soutient tous tes jours. Remercie-le, élève ta voix pour lui dire merci. Élève-le pour lui dire merci pour sa main puissante qui est sur son église. Merci pour ta main puissante, Seigneur. Merci pour ta main qui combat pour les élus de Christ. Merci pour ta main qui nous préserve. Oh, gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Toi qui nous protège. Nous allons implorer le pardon de l'Éternel sur nous. Nous allons les humilier devant son trône de grâce. Il est écrit sans les visions de saints, il n'y a pas pardon de péché. Humilie-toi devant son trône de grâce. Demande le pardon. Demande à Dieu de te justifier ce matin. Alléluia. Yomao bene na ya zwa me jojo le ben kume. Ela ben nuvona na mizuna me majo majo. Invoque le sang de te sanctifier. Le sang qui nous a racheté. Alléluia. Le sang qui nous a donné le salut. Ce sang est encore disponible ce matin. Ce sang est encore disponible ce matin pour te remplir. Élève ta voix et ce sang. Invoque le sang de l'agneau, le sang de la rédemption, le sang qui nous a donné le salut. Invoque ce sang ce matin au nom puissant de Jésus. Jésus, Seigneur, je suis un grand pécheur. Purifie-moi. Purifie-moi. Purifie-moi, Seigneur. Je suis un Purifie-moi. Purifie-moi.
Sanctifie-moi, Seigneur, je suis un grand pécheur. Sanctifie-moi, Seigneur, je suis un grand pécheur. Sanctifie-moi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Il a écrit dans le livre des Actes. Alléluia. Actes 2, le verset 18. On vous l'a dit, les deux, on va parler. Oui, sur ses serviteurs et sur ses servantes. Alléluia. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et il prophétisera. Alléluia. On vous l'a dit, Bélé et Gapopoma, mais là, des Djoubio, plein de Kakbio. Alléluia. Amen. Nous allons implorer le Dieu du ciel ce matin. Le Dieu du Saint-Esprit ce matin. Ouvrez les écrits des cieux sur nous. Comme sa parole a dit, comme sa parole vient de le dire. Il a envoyé son, il va descendre son esprit sur ses serviteurs. Et ils prophétiseront. Nous allons invoquer l'Esprit Saint au milieu de nous. L'Esprit Saint, alléluia. L'Esprit consolateur. L'Esprit de prophétie. L'Esprit de révélation. L'Esprit de guérison, taught me with your hand, Jehovah, never let me go. Same way died again, taught me with your hand.
change nos vies. Jésus, fais quelque chose pour nous ce matin. Saint-Esprit de Dieu, viens nous guérir. Saint-Esprit de Dieu, viens nous soulager. Viens consoler les cœurs brisés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier ce matin. Alléluia. La Bible nous dit, formez des projets, ils seront anéantis. Alléluia. Donnez des ordres, ça sera sans effet. Bible be mia wododo eye ma jeji o eye mia do pe asi wa makwebe do. Amen. Amen. Dieu avec nous. Et la be mau le gbagbele mi. Tu vas prier ce matin. Alléluia. Tu te fais des hommes méchants ce matin. Ame voix de obe dodo. Tu prends mauvais des hommes méchants ce matin. Tu vas laisser prendre le sang de Jésus. Avant le sang ce matin pour anéantir. Tu projettes des hommes brisés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous allons encore prier ce matin. La Bible dit, les effets seront anéantis. Tout ordre de l'ennemi serait anéanti ce matin. Alléluia. Bible abe wabe dodo miagbleme. Alléluia. Eye waba kovwani vwani yoko pula. Alléluia. Nous allons prier ce matin. Power and might, we belong.
Jésus nous avons prié. Amen. Il a écrit. Dieu dit, j'ai trouvé David mon serviteur. Alléluia. David nié d'autre. Et je l'ai oué d'une huile fraîche. Alléluia. Ma main le soutient. Alléluia. Nous allons prier pour le prophète de la maison ce matin. Nous allons demander à Dieu de lui voir une huile fraîche ce matin. Que le ciel s'ouvre ce matin. Et Dieu lui ôte une huile fraîche. Alléluia. D'une huile fraîche. Alléluia. D'une huile fraîche. Alléluia. Pour la restauration d'une vie. Pour la délivrance d'une vie. Pour la restauration d'un bonheur. Pour la liberté de quelqu'un. Pour la guérison de quelqu'un ce matin. Au nom du Saint-Esprit. Jésus, nous avons prié. Il est écrit que le fardeau là sera enlevé et la graisse sera éclatée le jour. Quel est ce fardeau qui pèse sur toi ce matin? Quel est le fardeau que l'ennemi a déposé sur ta vie avant que tu ne viennes ici ce matin? Jésus dit, vous qui êtes fatigués, venez à moi. Je vous déchargerai. Je vous déchargerai. Ce matin, Jésus est ici. L'onction est disponible. C'est pourquoi tu as dit, Seigneur, je viens à toi ce matin. Par ton onction, brise tous les fardeaux, tous les jougs, tous les problèmes qui pèsent sur ma vie, qui me rend fatigué. Brise-les par ton onction ce matin. Et que ma vie soit libérée. Que ma vie soit libérée. Et l'état vous prie, mon frère, ma soeur. Et l'état vous prie, mon frère, ma soeur. Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est le célibat? Est-ce que c'est la sérénité? Que l'onction brise. Est-ce que c'est l'endettement? Est-ce que c'est la pauvreté? Est-ce que c'est la malédiction? Que l'onction brise. Que l'onction brise. Que l'onction brise. Levez la voix, priez, priez. L'onction coule, l'onction coule. Jésus vous décharge. Jésus-Christ vous décharge. Jésus vous décharge ce matin. Il vous décharge avec son onction, avec sa puissance. Libre son kotori kata la bagaria. Rebra son kata. Libre la kata. Touri masanda, le machete, couria masona la magaria, libra soka tali bracadia, l'ombra katia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Quel est ce combat-là qui te domine? La Bible dit que l'Éternel combattra pour toi, tu cadras le silence.
tu vas prêter du Seigneur. Lève-toi dans ma vie ce matin. Et combat ceux qui me combattent. Dispose tous mes ennemis. Dispose les démons qui me poursuivent. Dispose-les pas ton feu dévorant. Dispose les ennemis pas ton feu dévorant. Et que je sois libre. Que je sois libre. Et l'État va prier ce matin. Et l'État va prier ce matin. Quels sont les pères? Quels sont ces ennemis qui te tourmentent? Que Dieu se lève, que l'Éternel des armées se lève, que le Dieu du feu dévorant se lève, il le disperse, les esprits de famille, les hommes méchants, les sorciers et les sorcières, que Dieu les disperse pour son feu ce matin, et que tu sois libre, et que tu avances, que tu progresses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Il est écrit que l'achatement ne pourra rien contre Jacob. Ni la divination. C'est pourquoi tu vas prier ce matin. Seigneur, tout enchantement envoyé contre ma vie. Je dois me dépêcher. Toute divination pratiquée contre moi pour me détruire, pour me rendre malade, pour me limiter, ce matin, par le feu du Saint-Esprit, que l'achatement soit consumé, que la divination soit anéantie, et que ma vie soit prospère, et l'État veut prier, et l'État veut prier ce matin, toute divination, tout enchantement, tout esprit de sorcellerie, envoie contre ta vie. Pour te détruire, pour t'anéantir, que maintenant j'envoie le feu dévorant, que le feu la dévore, que le feu la consume, que vos vies soient libérées, pour que vous soyez prospères, libre à Katouya, libre à Kador et Kété, libre à Kabia, et ma chambre, libre à Kador. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom puissant de Christ, Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier. Dieu dit à Gédéon. Renverse l'autel de Baquet dans la maison de ton père. Quels sont les hôtels sataniques qui vous réclament encore? Parce que vous êtes converti. Et ils vous réclament. Ils vont vous punir. Ils vont vous faire souffrir. Pour que vous reveniez à eux. Mais ils ont menti. Car il est écrit que nous avons vécu l'ennemi par le sang de l'agneau. C'est pourquoi nous allons prier ce matin. Dieu ma paix, par le sang de Jésus et par le feu du Saint-Esprit, que tous les hôtels de serpents, tous les hôtels de sorcellerie, les hôtels sataniques de ma famille, qui me réclament, qui me poursuivent, qu'ils soient anéantis ce matin, par le sang et par le feu, qu'ils soient anéantis complètement, et qu'ils me laissent, élever la voix, prier. Les belles affaires, et vous êtes libre, libre à Katouri, ma sonda, et ma chèque, libre à Kato. Ces hôtels ne vont pas vous tuer, les hôtels ne vont pas avaler vos enfants, ils ne vont pas détruire la vie de vos enfants. Je les mets en feu, je les fais les consuls ce matin, le sang les arrête, au nom puissant de Jésus. Il est écrit, que ce que le serpent a avalé, il le vomira. La main de Dieu va le chasser de son ventre. C'est pas toi dit, mon Dieu, mon Père. Ce matin, je prie et je déclare que toutes mes richesses, toutes mes bénédictions, que l'ennemi a avalé, que le serpent a avalé, pas ta main, chasse-le de son ventre, et que je le repossède. Et l'État va prier maintenant. Et l'État va prier ce matin.
Libracaturi Massine, Racatina et Tantama ce matin. Chasse du peuple de ce serpent. Chasse du camp de l'ennemi. Toutes mes richesses, ma gloire, ma prospérité, mes enfants, délivre-les du peuple de l'ennemi. Délivre-les des mères de Satan. Délivre-toi ton peuple. Délivre-les élus de Christ. Délivre-nos nos richesses, nos bénédictions. Ils sont dans le camp de Satan, dans le peuple de l'ennemi. Délivre-les ce matin. Délivre-les ce matin. Les âmes sont libérées. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La Bible déclare, Bible dit, j'ouvrirai vos sépulcres. Et vous sortirez, vous vivrez encore. Tu as envie maintenant, non, peut-être, être dans une calebasse. Ton étoile est enfermée dans une bouteille. C'est pourquoi Dieu dit, je vais ouvrir ces sépulcres là ce matin. C'est pourquoi tu vas prier. Dis-moi, Dieu, mon père, je lève ma main droite. Ouvre tous les sépulcres. Ouvre toutes les bouteilles dans lesquelles ma destinée est enfermée. Dans lesquelles nos âmes sont enfermées. Dans lesquelles nos bénédictions sont enfermées. Ouvre ce matin. Et que nous sortions, que les richesses sortent, que nos âmes sortent, pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom. Élevez la voix, priez, élevez la voix, priez. Que les âmes sortent, que les destinées sortent, que les étoiles sortent, de ces calebasses, de ces bouteilles sataniques, de ces tombeaux, de ces sépulcres. Sortez du milieu de Dieu, sortez, sortez, sortez de cette ténèbre. La main de Dieu vous sort, l'onction du Saint-Esprit. Les anges vous sortent, les rois enfants sortent, vos richesses sortent, vos foyers, vos mariés sortent. David plombé. Dans le livre de 1 Corinthiens 9, à partir du verset 12, que c'est des temps, mais que nous avons reçu toutes ces bénédictions. Mais tu as dit, moi, Dieu, mon père, ce matin, ouvre ta main sur ma vie. Ouvre ta main sur ce service. Ouvre ta main ce matin sur nous les élus du Christ, et que toutes les bénédictions pleuvent, que toutes les richesses viennent, que la victoire vienne, que la prospérité vienne, que le mariage vienne, que la joie, la paix vienne. Et l'état va plus ce matin, et l'état va plus ce matin. Que Dieu ouvre sa main sur nous. Mon Dieu, mon père, ouvre ta main ce matin, ouvre ta main ce matin sur le service qui nous. Les élus de Christ, que ta gloire vienne, que la richesse vienne, que la prospérité vienne, le mariage, l'enfantement, le succès, vienne ce matin, des guérisons, des délivrances, se plaignent ce matin, au nom puissant de Jésus. Papa, merci parce que c'est fait. Balancez les mains à Dieu parce que c'est fait. Balancez vos mains à l'éternel parce qu'il l'a déjà fait. Acclamez tes efforts pour le Seigneur. Rabassons que ton récatal la barrière. Au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Qui a reçu quelque chose ce matin? Oh, Ramasson dans la bragaria. C'est juste pour chauffer ton âme. Alléluia. Amen. Et le ciel vous a écouté. Alléluia. Amen. Si tu as un témoignage pendant la louange, tu vas voir le frère Mike. Il va recevoir tes témoignages et après il va t'appeler. Il avec mon frère Mike. Alléluia. 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 À présent, nous allons nous connecter au trésor de Dieu. Avec tout ce que nous avons apporté ce matin. Fais sortir ta dîme, ton offrande. Tes remerciements, tout ce que tu as mis dans sa maison. Alléluia. Amen. Labraka. La Bible déclare, ne venez pas dans ma maison les mêmes bredouilles. Et il dit, tout ce que vous semez, vous récolterez. La parole là va se vérifier dans vos vies. Seigneur, je prie ce matin pour ton peuple.
Et je te remercie parce que tu nous as encore acceptés devant ton trône. Et à présent, nous sommes venus avec nos offrandes. Seigneur, sanctifie ces offrandes. Toi, le sang, je les sanctifie. Que ton feu les sanctifie. Que ces offrandes décalent de bonne odeur jusqu'à tes narines. Et que tu tournes ton regard lumineux vers ce peuple. Et que ce peuple vive dans la gloire, dans la réussite et dans la victoire au nom de Jésus. Seigneur, je prie en même temps sur toutes les dîmes. Ouvre les écluses des cieux et accomplis ta promesse. Accomplis ta promesse. Toi qui ne échoues jamais dans ta parole, que ta parole soit accomplie sur la vie de ce peuple. Que la multiplication les suive. Que l'abondance soit leur portion. Au nom puissant de Jésus. Papa, merci parce que c'est fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Que le peuple dise un bon amen. Que le peuple dise un bon amen. Acclamez ta voix pour le Seigneur. Nous allons danser, venir offrir à l'Éternel ce matin. Aujourd'hui, c'est notre dimanche de guérison et de délivrance. Alléluia. Donc, sois prêt pour recevoir ta délivrance et ta guérison. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Praise the living God. Amen. Amen. Ya ira tole te pe alendekea. Mia soka fuka fune fia oji fia alendekea. Alleluia. Asinda wonyamini dia. Asinda wonyamini dia. Asinda wonyamini dia. Mitumika wadia waya mami. Asinda wonyamini dia. Asinda wonyamini dia. Asinda wonyamini dia. Mitumika wadia waya mami. Hallelujah. Asinda wonyamini dia, asinda wonyamini dia, asinda wonyamini dia, mitumika wadia waya mami. Asinda wonyamini dia, asinda wonyamini dia, asinda wonyamini dia, mitumika dia waya. Oh mo 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 mo. Toi de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon roi, prier sur le toit de ma maison, mon âme bénit. Oh, quand je vois la bonté de mon Dieu, prier sur le toit de ma maison, mon âme bénit. Oh, quand je vois la bonté de mon Dieu. Oh, prier sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu, prier sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur.
mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit, oh mon âme, mon âme bénit le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh Yahweh est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami, Yahweh est mon ami, Papa est mon ami, oh il est mon ami, Yahweh est mon ami, Jésus est mon ami, Jésus est mon ami, Jésus est mon ami, oh Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami, oh Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami, mon ami. Oh Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami, Yahweh est mon ami, Papa est mon ami, Jésus est mon ami. Oh Yemba 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 Peuple de Dieu, élu de Dieu, bien-aimé de Dieu, acheté de Dieu, les enfants de Dieu, les enfants de Dieu, venez chanter Alléluia. Oh, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Oh, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Oh, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons le roi des rois, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Oh, dansons pour Jésus, 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 dansons pour Jésus. Oh, sautons pour Jésus, sautons pour Jésus, sautons pour Jésus. Oh, sautons pour Jésus, sautons pour Jésus, sautons pour Jésus. Oh, il est merveilleux. Et tout le monde veut danser, 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 et tout le monde veut danser, tout le monde veut danser, tout le monde veut danser. Il est merveilleux, Jésus est merveilleux. Oh, il est tout puissant. Oh, il est glorieux. Tout le monde le loue. Oh, il est merveilleux. Oh, Jésus est merveilleux. Oh, il est fantastique. Il est glorieux. Tout le monde le loue. Oh les Béninois le louent, oh les Togolais le louent, oh les Ivoiriens le louent, il est merveilleux. Tapouillonné Iji, tapouillonné Iji, tapouillonné Iji, tapouillonné Iji, tapouillonné Iji, tapouillonné, il est merveilleux, il est merveilleux. Il est puissant, puissant. 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 Il est puissant, puissant, puissant. Il est puissant, puissant, puissant. Il est puissant, puissant. Il est puissant, puissant.
Il est plus puissant. Il est plus, plus puissant. Il est puissant, puissant, puissant. Il est puissant, puissant, puissant. Il est puissant, 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 puissant. Il est merveilleux. Bobo le bobo me. Bobo le bobo me. Weli me, weli me. Wese me, wese me. Papa Yesu tomenye, ewa mezu akadeni, eglona be kanye yuma, ema anoli ma wakoli, bobo le bobo me, bobo le bobo me, weli me weli me, odela Yesu tomenye, ewa mezu akadeni, eglona be. Today, I will lift up my voice in prayer. Today, I will lift up my voice in prayer. All I know. You are always there for me, Almighty God. You are my only hope. No matter what I face, when trouble comes my way, I will. Alléluia. Oh, praise the Lord.
Niatrode subosuba baba bubu. Eye niaso eya akod dogbera. Yes Lord. Mia dogbera. Mia diama obe. Ce moment demander à Dieu. Na dominu saint lebe subosubo ya. Nous fortifier dans ce service. Asubo mawa. Servir Dieu. Menye nous fafao. Ce n'est pas facile. Ni mableo. Dans certains moments, ça peut arriver que je te dis une vérité. Quand tu traverses des moments difficiles, il t'arrivera que tu abandonnes un peu Dieu. Mais je veux que ce matin, toi et moi que nous prions, peu importe ce que nous traversons, Jésus-Christ a bien fait trouver. Jésus a demandé à Pierre. Et vous ne voulez pas partir, me quitter. Et Pierre a répondu, où irons-nous? Parce que la vie, la parole de la vie est avec toi. Pierre a reconnu celui qui l'adore. Je veux que nous nous levons sur nos pieds. Et que nous prions cette prière. Peu importe ce que je traverse. Moi, ma décision est que. Ma décision est que. Mon désir est que. Que je mourrai en toi. Je mourrai en toi, Seigneur. Élève ta voix, prie, Seigneur. Quelle peu importe ma situation. Je vais demeurer en toi jusqu'à la fin de mes jours. Je vais demeurer en toi jusqu'à la fin de mes jours. Peu importe les situations difficiles, Seigneur. Aide-moi à demeurer en toi jusqu'à la fin de mes jours. Peu importe les situations. Car tu n'abandonnes jamais tes enfants. Tu n'abandonnes jamais ton peuple. Seigneur, nous nous accrochons à toi. Nous sommes en toi. Et nous savons que, quelle que soit la sécheresse, tu vas encore arroser nos racines. Et nous allons porter des fruits. Pour cela, aide-nous à nous enraciner en toi. Aide-nous à demeurer en toi jusqu'à la fin de nos jours. Parce que nous savons que nous allons toujours témoigner. Nous allons toujours te glorifier. Oh Rabba Sakatala. Seigneur, enracine ton peuple. Fais grandir la foi de quelqu'un. Enracine ton peuple dans cette foi. Que le peuple demeure jusqu'à la fin des temps. Que le peuple demeure en toi jusqu'à la fin des temps. Quelle que soit la persécution, quelle que soit les situations difficiles qui arrivent, et je soutiens ton peuple, soutiens tes enfants, soutiens-les solidement, Seigneur, qu'ils arrivent jusqu'à la fin pour voir la force de leur Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Nous bébé. Aje Yesu yo me donu bebe Aje Yesu yo me donu bebe Aje Yesu yo me totro me yo totro me yo me donu bebe Aje Yesu yo me donu bebe Aje Kristo yo me donu bebe Aje Yesu yo me totro me yo totro me yo Ati sogala Eyelu fanyi Iyame nuwa Eyelu fanyi Ati sogala Eyelu fanyi Ruth donna Naomi be. Mekasiti ne veut pas trop le yom yom. Ruth a dit à Naomi, ne m'oblige pas à te quitter. Afikena kulea. Là où tu mourras. Fima nyaha makule. Là où je mourrai aussi. Afike wadiolea. Là où on t'enterrera. Oh makando oh, yabakatia. Zekata. Thank you Jesus. Comment il y a une route ici? L'esprit là qui était sur route.
l'esprit de fidélité. Que l'esprit la vienne sur nous ce matin. J'attends dire. America, on a maula, que l'Amérique nous empêche d'adorer Dieu. Mais toi et moi, amen, nous levons. Amen, nous levons. Amen, nous levons. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Saint-Esprit, merci ce matin pour le soutien. Marie dit à Souba. Le n'a de bémé. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. My idea subwe. Le mraso katana brakadia. Le nyate peme. Me nyate. Nyate wawa. Manye dro dro. Thank you, Jesus. Au mauna femianu. Amen. Mauna peromianti. Amen. Miokata mia bobo anani. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Mauna femianu. Amen. 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 Hallelujah. Nous sommes au groupe musical. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Maweke jina subo subo. Ya subo elinde kenye ya. Si te da pa fodi no la te jeku la jeku. E na kwa pasi odi ya huwa si wone. E ya subo ya malinde kenye ya. You are worthy lifted up. There is no one like you. Hallelujah. You are worthy lifted up. There is no one like you. Hallelujah. Hallelujah. I say you are worthy lifted up. There is no one like you, Jehovah. Hallelujah. Oh, you are worthy, lifted up. There is no one like you, Jehovah. There is no one like you, Jehovah. There is no one like you. Hallelujah. Oh, you are worthy, lift it up. There is no one like you, Jehovah. Yeah. Father,
like you. Hallelujah. My Redeemer, you are worthy. Lift her up. There is no one like you. Kayeli si uye owa agape kayeli so premia ma ma ukayeli si uye owa Mebena mauka yeli siye hoa beka yeli ye mauka yeli siye hoa akape ka Shinda rabasaka. Libra soupe terre, bagadouri,
At the center of me, Lord, is you that I see. Is you that I see. Thank you, Jesus. There is power in your name. Miracles happen in your name.
lift my voice and praise. It's you that I see. It's you that I see. At the center, center, it all. It's you that I see. It's you that I see. I said, Father, it's you that I see. It's you that I see. There is power. It's you that I see. It's you that I see. You are bigger, bigger than the biggest. You are higher, higher than the highest. You are stronger, stronger than the strongest. You are greater, greater than the greatest. You are bigger, bigger than the biggest. You are higher, higher than the highest. You are stronger, stronger than the strongest. You are greater, greater than the greatest. Oh, you are bigger, bigger than the biggest. You are stronger, stronger than the strongest. Father, you are higher, higher than the highest. Jesus. Jesus, at the center of me, Lord, it's you that I see. Oh, thank you, Jesus. It's you that I see. Lord, I'm a sakata. At the center of me, Lord, it's you that I see. It's you that I see. Let your will be my will. Let your will be my will. Let your ways be my way. I submit it all to you. I submit my life to you. Let your will, let your will be my way. Let your wish, let your wish be my way. Let your way. For me, my life, let your will, let your will, let your wish, let your wish, let your wish, let your wish, Papa, let your way, let your way. To you, I submit my life. Oh, I just want you to be glorified. Glorified. Oh, glorified in my life. I just want you to be glorified. I submit it all to you. I submit my life to you. Oh, I just want you to be glorified. Oh, glorified. Oh, glorified in my life.
made it all to you. I so made my love to you. La chanson dit que ta volonté soit ma volonté, que tes souhaits soient mes souhaits, et que tes voix soient mes voix. Amen. Que je soumets ma vie à toi. Sonye agbele na. Que tu sois seulement glorifié dans ma vie. Amen. Oh, rama sakata la bragaria. Rema sonda la mache que te le bragaria. Zoma seke te le bragaria. Si la volonté de Dieu est ta volonté. Si les souhaits de Dieu sont tes souhaits. Si les voix de Dieu sont tes voix. Tu ne manqueras de rien. Et dit, tu ne manqueras de rien. Tu iras toujours de victoire en victoire. Tu iras de bénédiction en bénédiction. De prospérité en prospérité. Est-ce qu'on peut encore chanter cette chanson-là? La bragada, la bragaria. Let your wish be my wish. Let your wish be my way. I submit it all to you. I submit my life to you. Let your will, let your will, let your will be my will. Let your wish, let your wish be my will. Let your way, let your way be my way. I submit it all to you. I submit my life to you. I just want you to be glorified. Glorified. Glorified in my life. I just want you to be glorified. I submit it all to you. My life to you. If you see the man who is loved by God, yes, Lord, you will see his glory all over him. If you see the man who is loved by God, you will see his beauty all over him. And then you know the God himself is not a joke. And then you know the God we serve is not the sky. And then you know the God we serve is not the joker. And then you know the God we serve is not the sky. It's not the sky. It's not a joker. It's not the sky. It's not the sky. It's not the sky. It's not a joker. It's not the sky. I'm sure you know. I'm sure you know. The God we serve is not a joker. I'm sure you know. The God we serve is not the sky. La chanson te dit que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu d'amusement. Il n'est pas un Dieu qui trompe. Il n'est pas un Dieu de fraude. Mais c'est un vrai Dieu. Oh, ramassa katala bragaria. Hey, bagatia. I'm sure you know the God we serve is not the sky. It's not the sky. It's not the sky. It's not the joker, it's not the sky. It's not the sky. It's not the sky. It's not the joker, it's not the sky. I'm sure you know, I'm sure you know. The God we serve is not the joker. I'm sure you know. The God we serve is not the sky. I know you know the sky.
Adam qui t'a dit. I know you not. Baro, baro, ba, 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 ba. I know you know this God. I'm sure you know. I'm sure you know. The God we said is not a joker. I'm sure you know. The God we said is not a scar. I'm sure you know. It's what we said is not a joke. I'm sure you know. The God we said is not a scar. I'm sure you know. The God we said is not a joke. I'm sure you know. The God we said is not a scar. Esprit de Dieu, le temps est venu que tu touches ce peuple. Le temps est venu que tu transformes la vie de ce peuple. Le temps est venu que tu libères quelqu'un de sa chaîne. Le temps est venu que tu libères quelqu'un de sa captivité. Esprit de Dieu, agis maintenant dans la vie de quelqu'un. Touche, touche, touche. Rabat sécurité.
Le temps est venu que tu enflammes quelqu'un. Amen. Le Seigneur m'a dit dans une vision ce matin que tu avais le Saint-Esprit avant et tu recevais des révélations. Tu sentais que vraiment tu avais le Saint-Esprit. Mais depuis un certain moment, tu es comme vide. Mais le Seigneur m'a dit qu'aujourd'hui, il te restaure. Il te restaure le Saint-Esprit. Il te restaure le Saint-Esprit. Il te restaure les dons du Saint-Esprit. Il te restaure sa présence. Lise-toi, reçois-y, c'est toi, reçois, sois rempli. Sois rempli par le Saint-Esprit sur la terre. Reçois le nouveau feu. Le nouveau feu. Le Seigneur te donne une seconde chance. Une seconde chance. Reçois le Saint-Esprit maintenant. Reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois ce feu. Sois enflammé, que tes dons reviennent, que les dons du Saint-Esprit reviennent. Reçois, 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 reçois. Oh, ma sanda la bracaria, les dons reviennent. Révélation. Révélation. Reçois ces dons. Have your way. Have your way. Holy Spirit, fill our heart and have your way. Ne sois pas distrait. As we pray. As we wait. Speak your word into our heart and have your way. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit. Merci parce que ces âmes ne sont plus vides. Merci de ce que tu remplis tous les tonnes qui sont présents ici. Tous les vases qui sont présents ce matin, merci parce que tu les remplis. Tu les remplis avec ta présence. Tu les remplis avec ton feu. Tu les remplis avec sa puissance. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Au nom puissant de Jésus. Acclamez très fort pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah, est-ce que c'est vos applaudissements ça pour l'Éternel? La marchande libre sokata la bracadia. Thank you, Jesus. Alléluia. Peuple de Dieu, une fois encore, soyez tous les bienvenus dans la maison de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse pour votre fidélité. Alléluia. Amen. Et Dieu bénit toujours ceux qui placent leur confiance en lui. Il les restaure, il les arrose et il les multiplie. Alléluia. Amen. Je connais ce Dieu, quelle que soit la durée. Quel que soit le temps que tu passes sans rien recevoir, il y a quelque chose qu'on appelle le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel. Quand le jour-là arrive, même Satan avec tous ses armes, tous ses acolytes, ils ne peuvent jamais te retenir encore. Et ce jour-là pour quelqu'un, c'est aujourd'hui. Ce jour-là pour un frère, c'est aujourd'hui. Ce jour-là pour une soeur, c'est aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'il y a toujours un troisième jour où tu sortiras de ton tombeau. Alléluia, alléluia, alléluia. Je salue la présence de mon frère Victor, alléluia, qui est là aujourd'hui avec toute sa famille. Alléluia, acclamez le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Le dimanche passé, il était là pour voir ce qui se passe réellement ici. Et aujourd'hui, il est là avec toute la famille. Que le Seigneur te bénisse. Maman, que le Seigneur vous bénisse. Que sa main repose sur vous. Et vous ne repartirez pas tel que vous étiez venu. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Alléluia. Nous sommes toujours dans l'ambiance de la Pâque. Alléluia. Nous nous rappelons des œuvres que le Seigneur Jésus a accomplies sur la croix. C'est pourquoi ce mois nous l'appelons les bénédictions de
du salut. Et nous anti ami Les bénédictions du salut. Alléluia. Amen. Donc nous avons commencé par parler de ces choses-là depuis le premier dimanche. Et il y a The blessing of salvation. Alléluia. Et le premier dimanche, je vous ai montré comment Jésus a répondu au nom Jésus. Quand Dieu voulait apporter le salut aux enfants d'Israël en Égypte, il s'est révélé à Moïse comme le Dieu qui s'appelle Je suis. Que personne ne comprenait. Mais Jésus est venu expliquer ce nom. Il dit Je suis le pain de vie. Je suis la lumière. Je suis la vérité. Je suis le chemin. Et je suis la vie. Je suis la résurrection. Donc il est venu répondre à ce nom de Dieu. Donc quand tu reçois le Dieu Je suis, donc tout ce que Jésus représente est dans ta vie. Alléluia. Amen. Et le dimanche passé, je vous ai parlé de quoi? Je vous ai parlé de la nécessité du salut. Pourquoi l'humanité a besoin du salut? Parce que le monde était tombé dans le chaos, dans les ténèbres. Satan a couvert la terre avec ses ténèbres. Et il a rendu l'humanité malade. L'humanité vivait dans la malédiction, dans la souffrance. Et Dieu a envoyé son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, sous forme d'une lumière. Et il a chassé ses ténèbres. Comme au commencement lui-même, il a créé la lumière pour chasser les ténèbres. Alléluia. Et il nous a libérés par son Fils Jésus-Christ. Il a délivré des malédictions. Il a ôté le péché du monde. Il nous a fait sortir des sépulcres. Il nous a fait sortir des ténèbres. Il nous a transporté dans son royaume de lumière. Alléluia. Donc aujourd'hui, je te propose un petit thème qui s'intitule « Nos guérisons dans la rédemption ». Our healings in redemption. Alléluia. On parle du salut, on parle de la rédemption. Les gens pensent seulement que c'est être converti et devenu chrétien. Le salut est un grand paquet. Et dans lequel il y a beaucoup de petits paquets. Je ne sais pas quel exemple. Mon frère, il faut nous donner ce petit panier-là. Je vais vous faire une démonstration prophétique. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par exemple, nous avons un gros panier. Alléluia. Amen. Je vois des jetons ici. Des pièces d'argent. Alléluia. Amen. Ces pièces d'argent représentent les bénédictions qui sont dans ce panier. Le salut, c'est le panier. Donc au milieu ou bien dans ce panier, nous avons des pièces d'argent. Si j'appelle ma soeur Ruth de venir maintenant prendre une pièce, Alléluia. Alléluia. Amen. Peut-être qu'il prend la pièce blanche. Tamio, est-ce que toi? C'est sa bénédiction qui est dans le salut, ça. Ça, je l'appelle guérison, peut-être. Tu vas avec. C'est ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Lui, elle a pris quoi? J'appelle la soeur Sarah. J'ai appris une pièce. Alléluia. Le salut, c'est un gros panier. Elle a pris une pièce. La pièce laquelle a prise, c'est la prospérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir, nous tous, nous venons vers Jésus-Christ. Le grand salut. Certains viennent pour chercher quoi? La guérison. Certains viennent chercher quoi? La prospérité. Certains viennent chercher le mariage. Est-ce que je peux encore appeler quelqu'un? Alléluia. J'appelle Mama Jondo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu prends une pièce. Donc, Maman Jondo a pris une pièce. Maman Jondo, et Maman Jondo a pris la lumière. Et donc, les ténèbres ne vont plus la gagner. Alléluia. Amen. C'est toujours le salut, ça. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce salut. Est-ce que je peux appeler un homme? J'appelle mon frère Victor. Alléluia. Les bracas, tu viens prendre.
quelque chose dans ce grand panier. Alléluia. Amen. Tu prends quelque chose. Alléluia. Amen. Mon frère Victor a pris une pièce. Victor, la pièce la représente la liberté. Et elle est née de garder. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que quoi? Les liens sataniques ne vont plus le dominer. Est-ce que je peux encore prendre quelqu'un? La massa. Le rhum de Dieu, ce n'est pas la violence. Amen. Ce n'est pas la violence. Alléluia. Donc, tu peux faire le plus mon frère Marc a pris. Une pièce. La pièce là, c'est la domination. Il ne sera plus dominé. Alléluia. C'est ça le salut. Donc il y a encore une pièce. Ça, c'est la violence. Tu vois, elle veut que je l'appelle. Alors que c'est la course. Il faut courir pour aller choisir. Vous, il est à côté de moi. Il disait, pasteur, je veux prendre. Il faut choisir toi-même. Vous voyez ça? C'est ça le salut. Jésus est venu donner le salut. C'est à nous-mêmes de courir maintenant. Allez prendre ce qui est dans le salut. Elle est ma femme. Je tenais le panier. Elle disait, il faut m'appeler. Il faut courir. Il est mon interprète à côté de moi. Il voyait les pièces. Il dit, appelle-moi, je vais prendre. Je n'ai pas appelé le frère Marc. Je n'ai pas appelé maman. Ils sont venus prendre. C'est ça le salut. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc le salut, tout ce que tu veux est dans le salut. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qu'on appelle guérison. Nos guérisons dans la rédemption. Lisons quelque chose dans le livre de Ésaïe 53, le verset 4 à 5. Ésaïe 53, le verset 4 à 5. L'embrasou kata la brakadia. Quelqu'un est en train de recevoir cette guérison aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Une nouvelle image donc. Une nouvelle bénédiction. Alléluia. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Alléluia. Amen. Le verset 5. Vous pouvez m'attendre. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par sa meurtrissure que nous sommes guéris. Que la parole de Dieu soit bénie. Esprit de Dieu inspire cette parole. Et que le peuple soit béni ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons vu la lecture. L'écriture que nous venons de lire. Alléluia. On va aller peut-être mot à mot. Je veux vous expliquer quelque chose. Parce que la fois dernière, ma femme m'a dit que je n'explique plus maintenant les versets. Alléluia, c'est ce qu'elle m'a dit à la maison. Alléluia. Amen. On dit cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. On parle des souffrances. Mais le pompos a yadou. Il y a différentes sortes de souffrances. Alléluia. Amen. Donc, si tu peux croire en cette écriture, qui dit ce sont nos souffrances qu'il a portées. Donc, ce dont tu souffres. Tu dois croire que Jésus l'a déjà porté sur la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que tu souffres d'une maladie. Quand on parle de maladie, les gens pensent que c'est seulement pour le, dans le corps. Ça peut être une maladie financière. Donc, ton territoire peut être malade. Amen. Ton territoire peut être malade. Ta famille peut être malade. Les relations peuvent être malades. Le business peut être malade. Maintenant, ce dont tu souffres, la Bible te dit ce matin que Jésus l'a porté déjà. Amen. Alléluia. Amen. C'est de nos souffrances. C'est nos souffrances qu'il a portées. Il a porté nos douleurs. Les chagrins, les angoisses que Satan a déposées dans nos vies. Jésus est venu les porter. Alléluia. Amen. Si c'est la pauvreté, Jésus l'a porté. Si c'est la malédiction, Jésus l'a porté. C'est à toi de croire à ce qui est écrit dans la Bible. Ce n'est pas une simple écriture. C'est une vie, c'est un esprit qui est transcrit sur papier. Alléluia. Amen. C'est l'esprit et vie qui a été écrit. Alléluia. Amen. Donc si tu peux seulement croire en ce qui est écrit, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Donc
Jésus est venu apporter le salut. Jésus sort de l'époque. Et dans ce grand salut, on nous dit qu'il a anéanti les douleurs. Il a anéanti les souffrances. Il a anéanti l'humiliation. Parce qu'on dit qu'il a été humilié. C'est-à-dire qu'il a pris notre humiliation. Il a pris la honte que Satan jette sur nous. Hallelujah. Amen. Donc si tu constates qu'il y a quelque chose qui construit la honte dans ta vie, c'est à toi de dire que Jésus, il a écrit que tu es humilié à ma place. Donc je dépose cette honte là sur toi. Je dépose cette souffrance là sur toi. Je dépose la douleur là sur toi. C'est ça le salut. Alléluia. Amen. Tout ce que tu travailles comme difficulté, leur solution c'est dans le salut. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est de bon Jésus, on parle dans ce verset. Esaïe l'a vu d'avance. Il n'a pas utilisé le temps futur. Mais le temps passe, le temps passé. Il considérait la chose comme cela est déjà passé. Alléluia. Amen. Si Esaïe qui était dans l'Ancien Testament considérait ce qui allait arriver comme passé, et toi qui es issu que la chose est déjà passée, qu'est-ce que tu penses? Alléluia. Amen. Vous voyez? Notre délivrance dépendra de notre foi, de notre compréhension des choses. Alléluia. 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 Donc, dans ce grand salut que Jésus a apporté, il a apporté la solution à nos maladies. Il a amené la guérison. Il a amené la santé divine. Alléluia. Amen. Je vais te donner encore un autre verset. 1 Pierre 2:24. Alléluia. Qu'est-ce que Pierre dit? Alléluia. Esaïe a parlé dans l'Ancien Testament. Maintenant, regardons Pierre qui a été un des disciples de Jésus, le pilier des disciples, des apôtres. Il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions par la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous lisons Esaïe, c'est quand tu le verset, ça dit quoi? Que nous avons été guéri par les meurtrissures de Jésus. Maintenant, l'apôtre Pierre en train de répéter la même chose. Que Jésus a pointé sur lui nos péchés, les fardeaux de nos péchés, les péchés des parents et des ancêtres. Jésus est venu les porter. Parce que Jean-Baptiste l'a annoncé dans Jean 1:29. Que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc si tu peux croire en ces paroles, quelle que soit la lourdeur, le poids de ton péché, le péché l'est déjà enlevé. Alléluia. Amen. Et il continue, il dit que c'est pas sa maîtrise. Nous sommes guéris. Les plaies de Jésus nous guérissent. Tout ce qu'il a subi sur la croix, c'est pour notre délivrance, notre guérison. Alléluia. Amen. Parce qu'au commencement, quand l'homme a péché, l'homme est tombé dans la maladie profonde. L'homme est devenu malade, l'humanité est malade pour Dieu. Alléluia. Amen. Satan semait les germes de maladie dans nos corps. Et nous n'avons plus la vie de Dieu. Nous n'avons plus la santé de Dieu. C'est pourquoi l'homme pouvait mourir facilement. La maladie, c'est la clé à qui amène à la mort. Alléluia. Amen. Et le péché ouvre la porte de maladie. C'est pourquoi Jésus est venu premièrement. La première des choses, c'est d'enlever le péché. Alléluia. Quand le péché est enlevé, maintenant il continue le travail. Il a versé son sang pour vous laver complètement. Alléluia. Amen. Et il a détruit sur la croix toutes les maladies qui sont dans nos corps. Les souffrances, les malédictions, les bagages de Satan. Il les a amenés sur la croix. Il les a cloués. Pour que quiconque croira soit libéré. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Donc c'est une question de foi, peuple de Dieu. Crois et confesse seulement. Donc Pierre qui dit j'ai marché avec Jésus. Aujourd'hui, il n'est plus dans le monde. Mais ce qu'il a fait sur la croix, c'est pour la libération du peuple. C'est pour la délivrance de l'humanité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Très rapidement, je vais vous donner les exemples de la santé ou bien des guérisons promises par Dieu. Je vais vous montrer que dans le salut, l'une des bénédictions primordiales, c'est la santé ou bien la guérison de l'humanité. Lisons Exode 15, le verset 25 à 26. Exode 15, notez bien ces versets. C'est des versets qui sont tellement spéciaux pour des prières de guérison. Alléluia. Exode 15, verset 25 à 26. Là où Dieu a tiré le nom Jéhovah Rapha. Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Le verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. L'Éternel qui te guérit, mine Jéhovah Rapha. Alléluia. Amen. La Bible dit quand ils avaient traversé la mer Rouge. Alléluia. Amen. Ils avaient soif. Et ils ont rencontré une rivière. Et les eaux de cette rivière-là, ils ne pouvaient pas les boire. Pourquoi les eaux étaient amères? On l'appelait Mara. Les eaux de Mara. Alléluia. Et la Bible dit, Dieu a demandé à Moïse. Il lui a indiqué un bois, un certain bois. Alléluia. Amen. Pas n'importe quel bois. Un certain bois. Et avec ce bois-là, Moïse a touché les eaux de Mara. Et les eaux étaient guéries. Parce que les eaux étaient malades. Les hommes disaient, nous ne pouvons pas boire les eaux là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, les eaux malades aujourd'hui représentent peut-être, il y a certaines choses qui sont à ta disposition, mais que tu ne peux pas posséder, que tu ne peux pas utiliser. Par exemple, tu reçois $500 cette semaine. Alléluia. Tu veux faire quelque chose, tu voulais te faire de plaisir. Mais au même moment, il y a un creux qui est plus grand que les $500. Alléluia. Amen. C'est tes eaux de Mara, ça. Et quand va vos ouvriers, c'est cela. L'argent venu, mais c'est de une douleur pour toi. Égale, vous ouvriers, c'est cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Moïse a jeté le bâton dans l'eau. Et Bible, ben, moi, les eaux de Mara sont transformées en eau douce. Et Mara, ben, si trop, et si je déclare sur la vie de quelqu'un. Gloire, le voilà, là, c'est la croix. Quand la croix vient dans ta vie, les douleurs disparaissent. Quand la croix vient dans ta vie, les maladies disparaissent. Je déclare que la croix de Christ vient dans ta maison, dans ta famille. Et bien les maladies, les douleurs, les souffrances disparaissent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Un certain bois. Pas n'importe quel bois. C'était la croix. Alléluia. Et il continue maintenant, il lui dit, si tu écoutes ma voix, les maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, tu ne verras jamais ces maladies. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que les maladies qui frappent le monde aujourd'hui, on appelle COVID, SIDA, hépatite, hémorroïde. Je dis, si vous écoutez ma voix, et que vous demeurez dans mon salut que j'ai apporté, vous ne tomberez jamais malade. Les maladies-là ne vont pas vous frapper. Alléluia. Parce que je vous protégerai par le sang de mon fils, par la croix de Christ, avec mes ailes, avec le feu de mon esprit. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu est en train de dire. Ensuite, on peut lire encore un autre verset. Alléluia. Amen. Un second verset. Les brakata la brakadia. Il dit, lisons Exode 23. Ça, c'est un verset qu'on lit d'habitude dans cette maison. Exode 23, 25, le verset 25.
Vous servirez l'Éternel. Et l'Éternel vous bénira. Il bénira vos os et vos pains. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dans la première lecture, il a dit quoi? Vous ne verrez pas les maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Ça, c'est la santé divine. Vous ne verrez pas ces maladies. Maintenant, dans ce verset, il dit, j'éloignerai du milieu de toi. C'est-à-dire que les maladies qui sont déjà là, je vais les éloigner. C'est la guérison, ça. Est-ce que vous comprenez? La première lecture dit, vous ne verrez pas. La santé est votre portion. Maintenant, dans ce verset, amen, il dit, j'éloignerai. La chose est là. Maintenant, Dieu veut l'éloigner. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Quels sont les problèmes qui te tourmentent? Qu'est-ce qui constitue ta maladie? Une maladie financière, une maladie dans le foyer, dans les relations, dans le business. Ce matin, Dieu dit qu'il les éloigne. Dieu dit qu'il les éloigne. Il les éloigne. Les maladies corporelles, les maladies dans ton corps, les maladies dans tes organes. Je dis, Dieu les éloigne avec la puissant du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez maintenant? J'éloignerai toute maladie. Toute maladie. Tout ce qui est maladie, Seigneur, éloigne-le de moi. Tout ce qui est malade dans ma vie. Tout ce qui est malade dans ma vie, Seigneur. Ce matin, éloigne-le de moi. Éloigne-le de ma maison. Éloigne-le de ma famille. Éloigne-le de mes enfants. Éloigne-le de cette église. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. L'embrakatia. Un troisième verset. Deutéronome 7, verset 15. C'est un verset que j'aime beaucoup. Deutéronome 7, verset 15. Deutéronome 7, verset 15. Qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. L'embrakatia la brakaria. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues. Mais il en frappera ceux qui te haïssent. Amen. Parce que Dieu sait que les maladies sont envoyées des fois par des hommes méchants. Dieu dit ces maladies, un, je vais les éloigner. Tu ne vas plus les voir. Et les maladies là, je vais les retourner. Elles tomberont sur ceux qui te haïssent. C'est-à-dire ceux qui les ont envoyés. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Qu'est-ce que l'ennemi te fait souffrir? Qu'est-ce que l'ennemi te fait souffrir? Ce matin, je lève ma main droite. Que la souffrance la retourne à l'ennemi. Que la maladie la retourne à l'ennemi. Que le problème la retourne à l'ennemi. Parce que Dieu dit, je les frapperai de ces maladies. Tous ceux qui te haïssent. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu ment? Non, il ne ment pas. Je crois tellement en ces paroles. Donc retour à l'envoyeur. Alléluia. Amen. Les maladies la retournent à l'envoyeur. Les problèmes la retournent à l'envoyeur. Ta souffrance retourne à l'envoyeur. Ta honte retourne à l'envoyeur. Le dos doit troller l'envoyeur. Alléluia. Amen. Un autre verset. Deux Chroniques 7, verset 14. Deux Chroniques 7, verset 14. Alléluia. Les bras sous kata la bragadia. Les marchandes les bragadia. Atema welo. Atema welo. Après ton Yeshua. Atema welo. Atema welo. Atema welo après ton Yesu atema elle a été your dollar, il peut te guérir. Alléluia. Amen. Deux Chroniques 7 verset 4, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Alléluia. Amen. Nous, les élus du Christ, Dieu dit, si on peut, si on peut tourner la face vers lui, le territoire américain qui est malade, il va le guérir. Là où les gens seront en train de souffrir, toi, tu seras heureux. Quand le territoire ne donnera pas ses produits,
Quand la terre ne donnera pas ses produits, Dieu dit pour toi, il en donnera. Alléluia. Le territoire peut être malade pour des gens. Les gens ne tirent aucun bien. Dieu dit, toi, si tu te tournes vers moi, tu tireras beaucoup de bien. Parce qu'il dit, si vous êtes docile, si vous avez la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est-à-dire que le sol ne sera jamais maudit pour vous. Parce qu'au commencement, quand l'homme a péché, Dieu n'a pas maudit directement l'homme. Mais il a maudit la terre. Il dit, la terre te donnera du chaudron et des épines. Mais je lève ma main droite. Parce que le sang de Jésus a jailli sur la terre. Le sang de Jésus a déjà guéri la terre. Le sang de Jésus a déjà libéré la terre. Que la terre te donne dorénavant. C'est bon produit, la grâce, les richesses. Et dit que la terre te donne les meilleurs produits, les meilleures richesses, la meilleure graisse. Que la terre te donne du miel. Que la terre te donne du lait. Que la terre te donne ce que ton cœur désire. Au nom puissant de Jésus. Parce que Dieu dit, je guérirai votre territoire. Le salut vient pour guérir le territoire aussi. C'est pourquoi quand vous lisez 2 Rois 2, quelque chose s'est passé un jour, après le verset 19 à 22. 2 Rois 2, 19 à 22. La Bible dit, le peuple de Jéricho est venu vers qui? Vers le prophète Élisée. Il dit, le pays est bon, le territoire est bon. Mais quoi? Il y a la stérilité. Parce que l'eau que nous buvons est malade. L'eau est malade et cause quoi? Et comment vous l'appelez? Comment le mot là m'échappe? Alléluia. Alléluia. Fausse couche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, le pays est bon, mais il y a quelque chose qui nous fait échouer à l'approche des résultats. Tu vois les résultats arriver, mais soudainement, c'est dévié. Alléluia. Amen. On appelle ça fausse couche. Un mirage. Mirage veut dire, quand vous conduisez la voiture, et puis quoi le mois dit, quand tu arrives là, tu ne trouves pas l'eau sur la voie. C'est ça, mirage, c'est le quoi flou. Alléluia. Tu crois que c'est l'eau. Tu arrives là-bas, ce n'est pas l'eau. Ça arrive aujourd'hui à beaucoup de gens. Tu vois la chose arriver. Tu es en train d'entrevoir la chose. Quand tu arrives à l'approche, tu vois le néant. Alléluia. Les bras sous qui étaient les bras gardés. C'est ce qui arrivait au peuple de Jéricho. Et le prophète a pris le sel. Il est allé à la source des eaux. Il a guéri les eaux. Il a guéri la source. La Bible dit que les eaux sont assainies. Les eaux sont guéries. Et le peuple a vécu heureux. J'ai déclenché la vie de quelqu'un. Jésus a apporté le sel. C'est pourquoi il dit, vous êtes le sel de la terre. Il dit, tout homme sera salé de feu. Ce matin, je déclare que le sel de Jésus assainisse vos assainisse vos sources, vos fondations, vos familles, vos origines, soit assaini pour le sel de Jésus et que vous soyez complètement guéri au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus a porté toutes ces choses. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire encore un verset? Jérémie 37. Je suis là pour lire le verset aujourd'hui. Jérémie 37. Alléluia. Jérémie 37. Qu'est-ce qu'il a dit? Jérémie 30 et 17. Lébrakatia. Mais je te guérirai. Amen. Là. Je panserai tes plaies. Dit l'Éternel. Car il t'appelle la repousser. Cette Sion dont nul ne prend souci. Amen. Peut-être que tu as abandonné à cause de tes maladies. Les gens ne te considèrent plus. Quand je parle des maladies, ce n'est pas forcément maladie, mot de ventre. C'est-à-dire, il y a une souffrance, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, il y a une honte, c'est une maladie. Et les gens s'éloignent de toi. Mais Dieu dit, je te guérirai. C'est une promesse, je te guérirai. Je penserai tes plaies. Toi qui es délaissé.
que personne ne considère. Je vais te restaurer. Je vais te guérir. Aujourd'hui, tu es guéri quelqu'un. Aujourd'hui, tu restaures la vie de quelqu'un. Tu restaures ta splendeur. Tu restaures ta lumière. La honte n'est plus dans ta vie. La souffrance n'est plus dans ta vie. Je dis, Dieu te restaure. Donc je crois tellement en sa parole. Hein. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La maladie ne doit pas habiter au milieu de nous. Pourquoi? Comment la Bible appelle la maladie? Comment? Qu'est-ce que la maladie représente de, vis-à-vis de Dieu? Alléluia. Amen. Dieu appelle la maladie captivité. Parce que les gens, certains, vous savez que certains pensent aujourd'hui que la maladie là qui leur arrive, peut-être que c'est le plan de Dieu pour les préserver de certains choses ou bien pour les empêcher de faire certaines choses. Non, Dieu n'a jamais dans son plan souhaité son peuple être malade. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est-à-dire que ce que reprend la maladie représente quoi? La captivité selon Dieu. Quand vous lisez Job 42, le verset 10, qu'est-ce que la parole dit? La parole dit, Dieu, Dieu restaure. L'anglais, on nous amène, l'anglais dit ça mieux, le français ne le dit pas bien. On dit, Dieu restaure Job quand il a prié pour ses amis. Dieu rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il n'avait pas dit. Ça n'exprime pas bien ce que je veux dire. Écoutez, after Job had prayed for his friend, the Lord made him prosperous again and gave him to... La version aussi n'est pas bien. Il y a une version qui dit, when God turned the captive of Job, the captive of Job. Quand Dieu a tourné la captivité de Job. Nous savons que Job était malade, Job 2:7. Le diable a frappé d'une maladie du sein. Donc son problème c'est la maladie. Maintenant, Job 42 dit, Dieu dit, quand Dieu a tourné la captivité de Job, donc la maladie que tu as, que le diable a jeté dans ta tête, c'est une captivité. C'est différent. Alléluia. La captivité, c'est aboyo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la maladie est une captivité. Est-ce que je peux te le démontrer une minute? Amen. Alléluia. Non, c'est déjà bon. Tu peux l'enlever. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux te donner un exemple de captivité? Aboyome, non, non. C'est l'exemple de ce monsieur-là qui était à la piscine de Bethesda. Alléluia. Amen. Ça, c'est la captivité. Aboyome, non, non. Il a passé combien de temps? 38 ans, Job 5, à partir du verset 4 à 9. Amen. 38 ans. Qu'est-ce que la captivité te fait? Pas la captivité, tu ne peux rien faire de toi-même. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit à Jésus, quand l'âne agite l'eau, le temps d'aller me jeter dans l'eau, un autre me devançait. Il ne pouvait rien faire de lui-même. Quand nous prenons l'exemple du monsieur perclu de pied à la belle porte, à Détroit, à partir du verset 3 jusqu'à 6, la Bible dit, chaque matin, on le portait, on le déposait à la porte. Et le soir, on l'amenait à la maison. Ce qu'il pouvait faire, c'est de demander de l'argent. Ça, c'est la captivité. C'est la maladie qui l'a rendu captive. Vous devez comprendre, avant de sortir de cette vos maladies, comprenez ces choses-là. Demandez de lui, je veux que vous compreniez. Alléluia. Amen. Il y a certains que tu ne peux pas faire de toi-même. C'est ta captivité, ça. Mais Jésus est venu, Luc 4, 18, et il dit quoi? L'esprit de ténèbres sur moi. Il m'a fait pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour libérer les captifs. Pour te donner l'indépendance. Amen. C'est comme si les gens sont fatigués de la parole. Alléluia. Captivité.
La maladie te rend captive. Mais ce matin, je déclare sur ta vie, tu sors de la captivité. Tu sors de la captivité. L'éternel, toute ta captivité en liberté. Au nom puissant de Jésus, on va passer que tu as la bragadia. Tu feras tout de toi-même. Tu ne dépendras de personne. Et tu feras tout de toi-même. Tu sors de la captivité financière. Tu sors de la captivité dans le business. Tu feras tout de toi-même. Au nom puissant de Jésus. Jésus est venu libérer les captifs. Alléluia. Deuxième chose que tu dois connaître de la maladie, qu'est-ce que la maladie représente? Jésus appelle la maladie des liens, l'esclavage. Alléluia. Jésus appelle la maladie des chaînes, des liens. C'est comme ça que Jésus appelle la maladie. Quand nous lisons Luc 13. Lisons le verset 10. Qu'est-ce que Jésus a dit? Luc 13, rapidement. Je vais vous montrer quelque chose et on se deux minutes et on se sépare. Alléluia. Luc 13. Jésus enseigna dans une des synagogues le jour du sabbat. Le verset qui suit. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Qu'est-ce que Jésus a fait au verset 12? Qu'est-ce que Jésus a dit? Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Amen. Tu es délivrée de quoi? De ton infirmité. Va au verset 16. Qu'est-ce que Jésus a dit au verset 16? Quand il a guéri la femme, les gens commençaient par parler contre lui dans la synagogue, que le jour de sabbat, on ne doit pas guérir quelqu'un. Amen. Et le verset 16, Jésus dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, liée les liens, les chaînes. Donc la maladie est une chaîne, est un lien satanique. C'est de l'esclavage. Dans cette famille, papa est diabétique. Maman est diabétique. Les enfants, ce sont diabétiques. Ce sont des liens. Ce sont des chaînes. On le voit sur papa, on le voit sur maman, on le voit sur les enfants. Mais je déclare ce matin, par le sang de Jésus, par la puissance de la croix, les liens de maladie sont coupés. Les chaînes de maladie sont détruites. Et vous êtes libérés. Vous êtes libérés. Vous êtes libérés. Les maladies mortelles dans la famille, je les arrête par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La maladie qui a tué tes parents ne te tuera pas. Et la maladie qui tue des gens dans la famille ne te tuera pas. Parce que Jésus est venu nous libérer. Parce que le sang de Jésus les arrête. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Non. La maladie de ma famille ne va pas me tuer. Jamais. Les démons de ma famille ne vont pas me tuer. Et la dernière chose que je vais te donner. Alléluia. Le Saint-Esprit appelle la maladie comme l'oppression. Comme des fardeaux, des jougs qui sont sur nous. Alléluia. La maladie est une oppression, est un joug, est un fardeau qui pèse sur l'humanité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, Actes 10, 38, Bible, voici comment Dieu a conduit de puissance le Seigneur Jésus-Christ qui allait de lui en le faisant du bien aux gens, délivrant des gens qui étaient sous l'empire de Satan, sous l'oppression de Satan. Alléluia. Amen. L'oppression. C'est pourquoi Isaïe 10, verset 27 dit, le jour là ton fardeau sera enlevé et la grâce fera éclater le joug. Lève-toi sur tes pieds. Alléluia. Toute oppression de maladie se brise aujourd'hui. Si tu peux croire en ce message, si tu peux croire au Seigneur Jésus-Christ, je dis aujourd'hui la maladie qui représente ta captivité, la maladie qui représente les liens, l'esclavage, la maladie qui représente des jougs, se brise, se termine aujourd'hui. Est-ce que tu peux élever tes deux mains en l'air, montre-toi à Jésus ce matin que tu es venu pour être libéré de la captivité. Tu es venu pour être libéré des liens sataniques. Tu es venu pour être libéré de l'oppression de l'ennemi. Oh, ramasse kata. Abdayan. Le dîner n'y a pas l'amour.
ma usi yodo me da pe na wo oh yesu ma usi yodo me da pe na wo ora ma se kita kata kata ma usi yodo e me da pe na lo ma usi de ga e Edoya nyamelere nyemenyane magaga ore ma o dia ga meda fena ora basa na la bracaria reba kata Jésus veut enlever tes charges ce matin. Il dit vous qui êtes fatigué venez à moi je vous déchargerai. Quels sont tes fardeaux? Jésus a vu cette femme courbée depuis 18 ans. Jésus lui dit voici elle est fille d'Abraham. Aujourd'hui tu es fils d'Abraham. Tu es fille d'Abraham. Quelle est cette maladie qui t'a courbé? Quelle est cette maladie qui t'opprime? Quelle est cette maladie qui te prend en captivité? Jésus est venu te libérer. Jésus est venu te libérer. Peut-être que c'est des dettes. Peut-être que c'est l'endettement, la pauvreté, la souffrance. Peut-être que la mort prématurée dans la famille. Oh, ramassez que tes carouma sous dans la macadia. Rénover tes attentes bouteaux. Et peuple à ton venir. Et mes pas dans yo yo. Maintenant, bêtez à ton voûteau. Mais tu n'arrives pas. Et aujourd'hui, je ne mets pas dans le yoyo. Je veux te rassembler. Ne m'a ou dans la brusilla. Signor, e ma uto la blusila. A me ne che la signor. Ya ta Yesu, de la Yesu. Jésus Christ, tout fardeau de captivité, tout fardeau de chaîne, tout fardeau d'oppression, délivre-moi ce matin, brise-le de ma vie, brise-le de ma famille, brise-le de la vie de mes enfants, de la vie de mes bien-aimés, libère-moi Seigneur Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, libère-nous ce matin, amenez-le donc pour la prière, prie, 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 c'est près de la stérilité. Ça peut être la catarabe, l'infécondité. Ça peut être l'embargo satanique. Oh, kata, kata, roupa, kata. Jésus n'a pris. L'onction n'a pris. La main de Dieu n'a pris. Et que t'es les douleurs, les angoisses. Jésus les enlève. Jésus les enlève. Les angoisses, les douleurs, les problèmes, la limitation, la stagnation, la souffrance. Jésus les enlève ce matin. Amen, la Seigneur, ya ta Yesu, de la Yesu, de forma we. Amen, la Seigneur, amen, la Seigneur, amen, amen. Dites-moi ta main droite
gloire de Dieu que l'ennemi a déposé sur toi. Que l'ennemi a déposé en toi. Les ivres, les maladies, les souffrances, les douleurs, les angoisses. La pauvreté, l'endettement, la main de Dieu va les enlever. La main de Dieu va les briser. La main de Dieu vient sur quelqu'un. La main de Dieu te ressort. La main de Dieu te guérit. La main de Dieu te délivre. La main de Dieu te donne la liberté. La main de Dieu te donne la liberté. La main de Dieu te donne la liberté. L'esprit de Dieu vient sur toi. Aide-toi. Recevez. Le sang du Saint-Esprit descend. Il te touche. Il te touche. Le joug est brisé. Les chaînes là sont coupées. Les liens là sont brisés. Le sang t'a délivré. Libéré de ces jougs. Libéré de ces jougs. Libéré de ces maladies de captivité. Maladies de chaînes de liens. Maladies d'esclavage. Maladies d'oppression. Vous êtes libéré de ces maladies. Le monsieur, le fou de Gadarat, il était opprimé par plus de 2000 démons. Et sa demeure était dans le sépulcre, dans le cimetière. Il était sous l'oppression satanique. Quand Jésus l'a vu, il dit, toi, démon, vous les démons, sortez de lui. Je déclare ce matin, tout démon d'oppression, tout esprit d'oppression, tout esprit de serpent de sorcellerie, tout esprit d'envoûtement, tout esprit satanique qui vous opprime par le feu du Saint-Esprit, je les commande maintenant, je les commande, sortez, les maris de lui, les femmes de lui, les serpents de la sorcellerie. Laissez libre ce peuple. Au nom de Jésus. Laissez les foyers libres. Au nom de Jésus. Laissez les enfants libres. Au nom de Jésus. Laissez les hommes libres. Au nom de Jésus. Laissez les femmes libres. Amen. Faut-il ne revenir jamais? Yes. Fakata la makatia. Au nom de Jésus. Vous êtes libérés. Au nom de Jésus. Ils ne reviendront plus. Amen. Ils ne reviendront plus. Amen. Zakata libra alia. Je crois que le temps allait me suffire pour que je puisse prier pour chacun de vous. Mais Dieu vous a touché. Amen. Le Seigneur vous a touché. Amen. Ça fait longtemps que je n'ai plus reçu des gens. Mais si tu veux qu'à la fin je prie avec toi. Tu m'attends, je vais prier avec toi. Amen. À cause du temps, je vais laisser le peuple. Alléluia. Yes. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Merci parce que c'est fait. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamez ta foi pour le Seigneur. Nous allons rapidement donner notre deuxième requête. Deuxième quête. Alléluia. Les bras sont katana brakalia. On le fait rapidement, alléluia. Là-bas, chandé, les bras sous kata, la bracadia. Seigneur, je prie sur toutes ces offrandes que ton peuple a apportées pour supporter les œuvres dans la maison, pour contribuer à l'achat de ce bâtiment, Seigneur. Arrose leurs mains, que la fécondité soit leur portion, que la multiplication et l'abondance, Seigneur, les suivent, afin qu'ils puissent donner abondamment dans ta maison, au nom puissant de Jésus. Amen. Papa, merci parce que c'est fait. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Abeda hama dina nye hola. Kafu kafu hama dina nye dala. Nusio wananda, gbangblom mele wonu otia. Kafu kafu hakwe ma dina da. Nusio wananda, gbangblom mele wonu otia. Kafu kafu akwe matinera akwe akwe daha matina nyegola akwe kafu kafu ha matina nyegola nusio wananda ngomblomele wonoka kafu kafu akwe matinera akwe lo nusio wananda ngomblomele wonoka kafu kafu akwe matinera. Hey lo lo lo, hey ke ke lo, hey lo lo lo, oh penuwa
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons écouter rapidement les communiqués. Les femmes, par la voix de leurs responsables, veulent remercier tous les hommes. Elles remercient le département des hommes pour leurs gestes et leur apport, leur support le dimanche passé. Amen. Amen. Elle me charge de vous dire que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Les hommes, vous avez entendu, non? Yes. Ok. Amen. La boîte de suggestion sera dans la salle où les femmes font leur réunion souvent. Quand vous avez des propositions, des suggestions à faire, vous êtes libre d'écrire sans mentionner votre nom. Même des requêtes de prière. Amen. Amen. Pour l'achat des moquettes pour finir notre hôtel. Moquette, ne m'y a pas. Pour ça, je vais terminer.